suis content d'être arrivé ici, de savoir qu'ils ont posé leur confiance en moi pour venir ici. Et je suis content pour ça. J'étais à Sporting, Club Portugal à Lisbonne. Ça fait 2 ans que je suis ici en France. Je m'ai bien adapté et je suis content pour le parcours que j'ai fait jusqu'ici. Il y a le même objectif de grandir tous les jours. Et ça, c'est important pour un club. Et je savais qu'il y avait des gens ici qui me voulaient ici. Et c'est toujours bon quand tu vas à un club, que tout le monde t'aime bien. Et c'est important, ça. Moi, j'aime bien jouer sur le côté et devant aussi. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend du coach. Et moi, tout que je peux dire que je suis là, s'il a besoin de moi quelque part, je joue. Le recrutement de Mama, c'était un souhait de mettre de la vitesse et de la puissance devant. On voulait prendre aussi un joueur qui pouvait jouer à plusieurs postes, qui pouvait nous permettre, en fonction des suspensions, des blessures, de pouvoir intégrer l'attaque de façon très cohérente. S'ils sont aptes à jouer, ils joueront. Après, c'est juste, comme je venais de dire, de rattraper malgré tout le retard athlétique qu'ils ont par rapport aux autres qui ont repris la préparation depuis plus d'un mois. Mais ça, on le savait, ils le savent aussi, et ils travaillent de façon très professionnelle pour pouvoir rattraper. Ça sera en fonction des performances de chacun, mais oui, on a besoin de tout le monde. Mama, c'est un joueur qui a déjà de l'expérience. Il n'a pas 18 ans, il n'a pas 19 ans. Il a fait 2 saisons qui étaient très intéressantes, notamment, et pourtant dans un contexte difficile, la saison passée avec Dijon. Donc ce n'est pas un jeune joueur, c'est un joueur qui a de l'expérience, qui a élevé son niveau de performance depuis qu'il est arrivé en Ligue 1. Donc on ne le considère pas comme un jeune joueur, mais plutôt comme quelqu'un qui apporte l'expérience nécessaire et suffisante à la performance globale de l'équipe.